Nous vous remercions d'avoir acheté RoboMode Friendly Robotics. Il s'agit du moyen le plus simple et le plus sûr d'entretenir votre pelouse. C'est simple. RoboMode va démarrer automatiquement de sa base le jour et à l'heure que vous aurez programmé, tondre votre pelouse et retourner charger sa batterie. C'est pratique. RoboMode vous donne du temps libre pour d'autres activités. RoboMode est une tondeuse de pointe équipée d'une batterie qui prend soin de l'environnement autant que de votre pelouse. RoboMode va couvrir toute la pelouse, offrant la possibilité de tondre aussi les bordures. Aucune pré-programmation n'est nécessaire. Votre RoboMode tond l'herbe en brins très fins qui sont enfouis dans l'herbe pour créer un engrais naturel. Vous ne vous occupez plus de l'élimination des déchets de tonte. RoboMode, elle tond, pas vous. Il est important de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement mentionnées dans le manuel d'utilisation avant de vous servir de votre RoboMode. Préparation. RoboMode est livré prêt à l'emploi. Il suffit de procéder à quelques opérations simples pour permettre son bon fonctionnement. Tous les accessoires nécessaires à démarrer RoboMode sont fournis avec le produit. En voici la liste. Station, câble de périmètre, piquet, règle, alimentation, deux piquets métalliques pour la base, manuel d'utilisation et consignes de sécurité. Emplacement de la base. La première étape consiste à localiser le meilleur emplacement pour la base. Placez-la dans la zone la plus étendue. Il est recommandé de mettre la base dans un endroit ombragé, à l'arrière de la maison, où elle n'est pas visible de la rue. Ne la mettez pas sur une pente ou trop près d'un coin ou d'un arroseur. La distance entre une source de courant et la station de base est limitée. Si la distance est trop grande, contactez un électricien pour installer une source de courant à la bonne distance. Il est également possible de placer la station de base en dehors de la pelouse. Veuillez vous référer au chapitre « Station de base » dans votre manuel. Installation du câble de périmètre. Démarrez à l'emplacement de la station de base. Sortez l'extrémité du câble muni d'une prise hors du cache en plastique. Placez le bout du câble au sol à l'endroit où la base va être placée. Veillez à laisser 30 cm afin de boucler le périmètre à la fin de l'opération. Démarrez en plaçant le câble dans le sens contraire des horloges. Laissez le câble sur les bords de la pelouse. Commencez l'installation du câble de périmètre en enfonçant des piquets tous les quelques mètres et au coin. Utilisez la règle fournie afin de mettre la distance correcte par rapport au bord de la pelouse. Enfoncez les piquets dans le sol et tendez le câble. Il est important